lomoko na eklesia ngai katia lusambo na yoki nde ko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, coulé. Mes larmes ont trop coulé, papa. Viens me sauver. Pauvre cri, tu entends sa prière. Je t'en supplie, oh papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh, qui peut m'aider en dehors de toi? Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 2020, c'est mon année de progrès illimité. Bien-aimés, en ce soir, je voudrais t'inviter à partager au maximum ce temps de prière. Ce temps de prière inspiré par notre Père, le Révérend Père Abba Achia Pakom Marie. Je voudrais bénir tous les enfants Achia. Je voudrais bénir en ce soir tous ceux qui nous suivent depuis le Canada, depuis la France, depuis les États-Unis. Soyez salués au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés. Alors, notre temps de prière de ce samedi minuit est très important. Et nous avons un slogan. Samedi minuit, nous sommes déjà à 10. Dimanche qui est un jour d'action de grâce et de repos. Alléluia. Genèse 2, le verset 2 nous dit « Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il a faite et il se reposa. » C'est ainsi, bien-aimé, quand ce soir, je déclare le repos dans tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prendre notre eau bénite en ce soir et faire notre signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, prions avec notre ange gardien. Disons merci à notre ange gardien ce soir qui nous a gardés tout au long de cette journée. Mon fidèle ange gardien, mon amour, protecteur de mon corps et de mon âme, j'ai bien passé cette journée et humblement je te dis merci parce que tu as pris soin de moi. Tu m'as préservé de tout danger et de tout accident mortel. Merci encore, mon ange gardien. Alléluia. Bien-aimés, avec nos anges gardiens, rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur pour toutes les grâces et pour toutes les faveurs que tu m'as faites pendant cette journée. Accorde-moi maintenant la grâce de me souvenir de tous les péchés et des offenses que j'ai commis pendant ce jour. Amen. Bien-aimés, nous allons profondément demander pardon à Dieu
pour toutes les offenses de ce jour. Prions ensemble. Seigneur, pour toutes mes omissions ou négligences dans ma vie spirituelle, pour toute mauvaise attitude de ma part à l'Église, pour toutes les fois où au cours de cette journée, j'ai été distraite volontairement dans la prière, pour tous mes manques d'attention aux choses spirituelles, pour mes résistances à ta grâce et à ta parole, pour mes jugements, mes murmures, mon manque de confiance en Dieu et d'abandon à Dieu. Je te demande sincèrement pardon. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Amen. Bien-aimés, après nous être réconciliés avec notre Seigneur, nous allons demander pardon à Dieu pour les offenses envers nos frères et sœurs, pour toutes les personnes que nous avons pu blesser tout au long de cette journée. Prions ensemble. Seigneur, pour tous mes jugements hasardeux envers les autres, pour mon attitude de mépris, de haine, de jalousie, pour mes pensées et mes désirs de vengeance, pour les palabres, les disputes, les emportements, les malédictions proférées, les injures, pour les médisances, les railleries, les autres rapports, pour tous les dommages que j'ai causés au bien, aux affaires, au travail et à la réputation des autres, pour les mauvais exemples que j'ai véhiculés, pour les scandales, Seigneur, et le manque de respect envers les autres, le refus d'obéissance et de manque de charité, de zèle et de manque de fidélité, et pour tous les autres sentiments divers et confus que j'ai eu envers les autres. J'implore ton pardon et ta miséricorde et je demande encore ta grâce de la réconciliation et de la réparation envers les autres. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons encore demander pardon à Dieu. Il est important, bien-aimés, de nous repentir avant de rentrer dans ce temps de prière de combat. Nous allons demander pardon à Dieu pour nos péchés, les péchés envers nous-mêmes. Tu vas poser tes deux mains sur la tête et nous allons prier ainsi. Seigneur, il n'y a rien de bon en moi. Tout en moi n'est que vanité, arrogance, orgueil, mensonge, pensée impure, désir mauvais. Toutes mes pensées et mes paroles sont contraires à la pureté. Il n'y a en moi que colère, intempérance, impatience, vie sensuelle, paresse. Dans tout ce que je fais, Seigneur, je te demande sincèrement pardon. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet de nous réconcilier avec lui. Et après s'être réconcilié avec notre Père, nous allons prier unis de cœur avec nos anges gardiens, avec la communion des saints pour nos sujets personnels, les sujets qui nous tiennent à cœur, les sujets qui nous empêchent de dormir véritablement dans la paix de Dieu. Nous allons prier ensemble. Je voudrais t'inviter en ce soir à partager massivement ce temps de prière. Partage dans tous les groupes bien-aimés. Ne laisse pas un frère et une sœur endormis. Réveille celui qui dort, réveille tes enfants, réveille ton conjoint, parce que nous allons rentrer dans le temps de prière. Alléluia. Et nous avons besoin que tout le monde soit uni de cœur et d'esprit. Alléluia. Et il nous faut déjà préparer notre année 2021. Alléluia. C'est pourquoi il nous faut anticiper sur tous les combats à venir. Il nous faut anticiper sur toutes les possessions à venir. Alléluia. Tout comme l'année 2020, l'année 2021 nous appartient comme toutes les autres années. Ainsi soit-il. Nous allons prier ensemble. Nous prenons notre Bible. 2 Rois 13, verset 16 au verset 17. Nous prenons notre Bible, 2 Rois 13, le verset 16 au verset 17. Et nous proclamons la parole. Alléluia. La Bible nous dit, « Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Quand il eut fait, Élisée posa ses mains sur celles du roi et dit, « Ouvre la fenêtre à l'est. » Ouvre la fenêtre à l'est. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Alléluia. Élisée dit au roi, c'est une flèche de victoire de la part de l'Éternel. Une flèche de victoire contre les Syriens.
Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Alléluia. Bien-aimé, ce verset m'a personnellement touché. Parce que quand j'ai lu, je me demandais pourquoi ouvrir la fenêtre à l'est? Pourquoi le prophète Élisée demande au roi d'ouvrir la fenêtre à l'est, bien-aimé? Or, nous savons que l'est est aussi l'Orient. Amen. Nous allons prendre notre Bible toujours. Genèse 2, le verset 8. Genèse 2, le verset 8. La Bible nous dit, à ce passage-là, que l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Alléluia. L'Éternel Dieu a planté le jardin à l'est, à l'Orient en Éden. Alléluia. Et bien aimé, l'est, là où Dieu a planté le jardin d'Éden, symbolise la source de bénédiction pour l'accomplissement de l'homme qu'il y a mis. Bien aimé, nous savons que dans le jardin d'Éden, Dieu a tout mis à la disposition de l'homme et de la femme. Il y a mis l'abondance, il y a mis de quoi se nourrir, de quoi se vertir, il y a mis la paix, la joie, tout ce que sa créature pouvait utiliser de bon. Ce qui veut dire que depuis le jardin d'Éden, Dieu avait tout mis pour que nous vivions dans de bonnes conditions. Alléluia. C'est de cette même manière que nous allons anticiper à l'est. Éden étant situé à l'est, Éden étant la source de notre bénédiction qui est à l'est, nous allons tirer cette flèche de bénédiction, cette flèche de victoire de la part de notre Dieu, l'Éternel des armées, pour déjà mettre en déroute tous ceux qui nous ont dévancés cette année 2021. Alléluia. Tous ceux qui nous ont dévancés, qui sont en train de programmer déjà une année de malheur pour nous, nous allons aller à la source de nos bénédictions. Parce que tous les Syriens, tous les ennemis doivent tomber et doivent être exterminés par cette flèche de victoire, par cette flèche de délivrance que le Seigneur tire. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas lever la main droite en signe d'autorité. Trois fois Jésus. Et nous allons prier. Jésus, 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 sur la base de la parole du prophète Élisée, Seigneur, j'ouvre la fenêtre de l'est. J'ouvre la fenêtre de mon mariage. C'est sûr qu'à l'est, bien-aimé, c'est sûr qu'à Éden, ton mariage y est. Ton travail y est. Tes finances y sont. J'ouvre la fenêtre pour l'obtention de mes papiers. J'ouvre la fenêtre pour ma santé. J'ouvre la fenêtre pour mon voyage. J'ouvre la fenêtre pour l'épanouissement de mes enfants. J'ouvre la fenêtre pour la sagesse dans mon foyer. Oh Dieu, libère la flèche de victoire contre toute opposition, tout obstacle à mes bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout Syrien positionné depuis mon Éden, tout Syrien, tout sorcier positionné depuis ma source de bénédiction, depuis mon Orient, reçoit la flèche de délivrance et soit exterminé par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, tague un frère, tague une sœur, partage, partage. Je t'invite à partager ce temps. Parce qu'en ce soir, la prière sera très dense. Alléluia. Et ce sont des prières inspirées par notre Père Abba Shia, par Marie. Alléluia. Nous savons très bien qu'il dévance l'aurore. Il dévance l'année 2021. Donc, en ce début de mois, il faut déjà préparer ton année. Il faut déjà te mettre en position de combat. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant prier pour les célibataires. Ce sujet est tellement délicat que lorsque un frère célibataire ou une sœur célibataire voit que nous sommes en novembre, presque décembre, et elle a entendu en janvier que ma sœur, en cette année, tu vas te marier. Mon frère, en cette année, tu vas rencontrer l'âme sœur. Et qu'il ne voit rien venir, le découragement prend son cœur. C'est pourquoi en ce soir, nous allons nous pencher particulièrement vers les célibataires. Alléluia. Nous allons prendre Lévitique 26 à partir du verset 13. Prends avec moi Lévitique 26 à partir du verset 13 et nous proclamons la parole. L'Éternel dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. » Alléluia. Sur la base de cette parole, bien-aimé, lève la main droite en signe d'autorité, nous prions. Trois fois Jésus, trois fois feu du Saint-Esprit, nous prions. Jésus, 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 feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Oh Dieu, libère-moi de tout lien héréditaire de famille qui me maintient dans le célibat. Libère-moi
de tout lien qui maintient chaque membre de ma famille dans le célibat. Alléluia. Bien-aimé, dans ta famille, peut-être qu'il n'y a jamais eu de mariage. Peut-être que tu n'as jamais vu une concrétisation de ta relation avec quelqu'un. Tes sœurs ne sont pas mariées, tes frères ne sont pas mariés, ou même quand ils sont en concubinage, vraiment c'est difficile le quotidien. Alléluia. Les relations amoureuses n'aboutissent jamais, bien aimé. Peut-être que tu marches bien avec quelqu'un, tu marches bien avec ton âme sœur, et au moment où vous commencez à parler d'autres, au moment où vous commencez à parler mariage, subitement, on ne sait pas ce qui se passe. Vous vous séparez, il y a des disputes entre vous et chacun va de son côté. Alléluia. Ce soir, bien-aimé, Dieu te localise, toi qui es dans ce cas-là. Tu vas prier avec moi. Alléluia. Oh Dieu, en ce soir, que l'ange de l'Éternel me dépouille de cet héritage spirituel démoniaque. Cet héritage qui fait que depuis mes grands-parents, depuis mes parents, je n'arrive pas à rentrer dans un mariage. En ce soir, que je sois dépouillé de cet héritage spirituel démoniaque au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prie encore avec moi. Seigneur Jésus, en cette fin d'année qui approche, toute pensée défaitiste qui me fait croire que je ne vais jamais me marier, que je ne vais jamais rencontrer mon âme sœur, en ce soir, oh Dieu, que ces pensées-là soient brisées sur ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'impose le silence maintenant à toute voix démoniaque, me répétant continuellement que depuis le début de cette année, que je ne suis pas prête pour le mariage, que je ne suis pas apte pour le mariage, que tout esprit présent en moi qui m'empêche de prendre soin de moi pour plaire à un homme, pour plaire à une femme, par le nom de Jésus, je vous chasse au nom de Jésus. Allez, sortez de ma vie, sortez de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continue de chasser tous ces esprits, continue de les chasser, ces esprits qui font que tu ne peux pas prendre soin de toi. Tu es toujours dans des tenues fades, tu ne peux pas être bien mise, tu ne peux pas être bien mis, il y a des odeurs spirituelles sur toi. En ce soir, oh Dieu, par le sang de Jésus, que toutes ces influences sur ma vie soient brisées maintenant. Soient brisées maintenant. Soient brisées maintenant. Bien-aimé, prie. Korabashantarababa. Rekentarababa. Vois dans ton esprit tous les membres de ta famille qui sont dans cette situation. Tes amis, tes collègues, tes frères. Tague-les maintenant et prie pour tout cela. Élève leur nom devant le trône de Dieu. Rebremo santaraba. Kentaraba shekete. Ribara kasha. Pendant que nous prions, bien-aimés, je vois une sœur qui en pleure, parce qu'elle se sent concernée par cette parole. Laisse-moi te dire, ma sœur, que ces pleurs qui tombent sont les dernières gouttes d'eau qui vont tomber de tes yeux. Parce que Dieu a entendu ta prière, parce que Dieu a pris ta main en cause. C'est pourquoi en ce soir, tu vas te lever en autorité, en dignité, connecté à l'onction de notre Père Abba, Shia, Pako, Marie, pour chasser tous ces esprits de nos vies. Allez, sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Libérez nos pensées. Libérez nos cœurs. Libérez nos vies maintenant. Et laissez place à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit d'amour, à l'Esprit de paix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour le travail, pour les affaires, pour la promotion. Alléluia. Nous tendons vers la fin de cette année et plusieurs promotions sont restées bloquées. Plusieurs affaires sont restées bloquées, ne décollent pas. Nous avons la situation du monde entier avec le coronavirus. En Côte d'Ivoire, nous avons la situation de notre pays qui fait que tout est ralenti. Mais en ce soir, bien-aimé, nous crions vers le Dieu de l'impossible. C'est pourquoi tu vas prendre avec moi Josué 23, le verset 5. Josué 23, le verset 5. La Bible nous dit, « C'est l'Éternel, votre Dieu, qui les détruira et les chassera devant vous pour posséder leur pays. » Comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Alléluia. Bien-aimé, tu vas lever la main droite en signe d'autorité. Trois fois Jésus et nous prions. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Dieu, Dieu de ma bénédiction. Tout obstacle, tout ce qui m'empêche d'avoir un travail, d'avoir une activité prospère, tout ce qui m'empêche d'avoir un travail stable, tout ce qui m'empêche d'être élevé, d'avoir une promotion, une élévation, est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout braqueur, tout opposant maléfique, braqueur de fauteuil, braqueur de poste, braqueur de direction, tout opposant maléfique à ma promotion, tout
esprit de famille qui utilise, qui manipule les directeurs, qui manipule les autorités professionnelles et qui fait qu'ils n'arrivent pas à signer ma promotion ou à signer mon document de promotion ou mon document pour avoir un salaire un peu plus élevé que l'autre, que tous ces esprits de famille qui manipulent ces employeurs-là soient maintenant foudroyés par le feu. Toute augmentation de salaire bloquée reçoit le feu du Saint-Esprit maintenant. Je commande, oh Dieu, que toute personne assise sur un fauteuil qui me revient, que ces personnes prennent feu, prennent feu, prennent feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour tout esprit d'endettement. Nous tendons vers la fin de l'année. Même ton 13e mois s'en va, tu ne te rends même pas compte. Alléluia. En ce soir, nous allons prier. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, tout esprit d'endettement, tout esprit de main sèche qui m'empêche de profiter de mon 13e mois, qui m'empêche de profiter de mes avantages financiers, je les combats par l'épée de Saint-Michel. Je les combats par l'épée de Saint-Michel. Je les combats par l'épée de Saint-Michel. Saint-Michel archange, lève-toi, parcours tous les services, parcours les bureaux, parcours les comptes en banque, visite les frères et sœurs qui sont en quête d'emploi, visite-les maintenant. Tous ceux qui ont besoin de restauration au niveau professionnel, visite-les maintenant ce soir, qu'ils reçoivent la touche de la bénédiction et que toute forme d'opposition explose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme de retard, toute forme de blocage occasionnée par un sorcier, par un être maléfique, explose maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, continue de partager ce temps. Pour ceux qui nous prennent maintenant en cours, sachez que nous sommes à notre temps de prière, à notre temps de combat pour samedi minuit, c'est-à-dire pour dimanche matin, qui est le jour de repos, jour d'action de grâce. Pour que tu te reposes de tes bénédictions, pour que tu te reposes dans ton mariage, pour que tu te reposes pour ton enfantement, pour que tu te reposes dans ton foyer bien-aimé. Lève-toi comme un vaillant guerrier et prions ensemble. Alléluia. Nous allons prier en ce soir, car le Seigneur nous fait la grâce d'être maître et de posséder ce mois. Et pour cela, connectés à l'onction de notre Père Achia Pakom Marie, nous prophétisons en ce soir pour tout foyer en difficulté. Vous recevez maintenant la grâce de Dieu. Toute situation est décantée maintenant dans ce foyer. Tout problème d'incompréhension, tout problème financier en ce soir tombe de votre foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tout enfantement difficile, je prophétise en ce soir, toi qui n'arrives pas à enfanter, je prophétise en ce soir que tu rentres dans ta grâce maintenant. Je commande maintenant à tout ton appareil génital d'entendre le son de ma voix. Appareil génital, entraille en ce soir. Vous recevez la fécondité. Nous prions ce soir pour notre sœur Lydie Mambo. Reçois ton enfantement en ce soir. Nous prions pour notre sœur Louise Indad, reçois ton enfantement en ce soir. Rebre Masantaraba. Pendant que tu reçois ces proclamations, lève-toi et commence à dire, je reçois. Que quelqu'un mette des cœurs et des pouces. Écris en commentaire, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Quelle que soit ta bénédiction, je prophétise. Edwige Marie Noël, reçois ton enfantement en ce soir. Que toute forme de blocage, toute difficulté maintenant dans tes entrailles est levée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que le sang de Jésus visite tes entrailles en ce soir. Koulaté Muriel, reçois le sang de Jésus en ce soir pour décanter ton enfantement. Valérie Zeynep, reçois le sang de Jésus dans tes entrailles en ce soir pour décanter ton enfantement. Rebre Machandaraba Rakataba, Rekera Machataraba, Reketaba. Continue à dire, je reçois le sang de Jésus, je reçois le sang de Jésus. Pour que toute boule, pour que toute masse qui empêche ton enfantement explose au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous prophétisons toujours pour l'apaisement des cœurs. Nous prophétisons en ce soir pour tous ceux qui sont en quête d'emploi. Frère Gérard, depuis le Canada, reçois maintenant ton travail au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Anicette Akossi, depuis l'Italie, tu reçois ce travail au nom de Jésus. Bernadette Kwaku, toutefois que tu fais... Tu travailles, mais ce n'est pas stable. Tes contrats sont de courte durée. En ce soir, je prophétise que tu as un contrat à durée indéterminée et tu n'arrêteras que selon la volonté du Père. C'est pourquoi je déclare ce soir que tu reçois le travail, que tu reçois la promotion, que tu reçois un salaire selon le cœur de Dieu.
Serge Olivier Ketchachou, reçois la fécondité dans ton travail. Alléluia. Que l'intelligence surnaturelle te soit accordée en ce soir pour que tu excelles dans ton domaine, pour que tu sois toujours à la tête et jamais à la queue. Edmion Zouga, reçois ce travail que tu désires tant au nom de Jésus. Marguerite Yorokon, Annick Follo, vous recevez la grâce du travail. Vous recevez ce travail selon le cœur de Dieu. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, continuons de déclarer. Nous déclarons pour notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Vous tous qui nous suivez, sachez que nous sommes unis de cœur et nous avons foi en Dieu. Nous déclarons ce soir l'apaisement des cœurs. Nous déclarons la paix des cœurs. Nous déclarons la cohésion sociale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, en ce soir, nous prophétisons la réconciliation véritable au nom de Jésus. Nous prophétisons la conversion des fils et filles de ce pays, la conversion de toute l'Afrique, la conversion du monde entier. Que tous regardent à Christ qui est le véritable chemin de la vie éternelle. Nous prophétisons ce soir, un soleil nouveau se lève sur ce monde entier. Un soleil nouveau se lève sur la Côte d'Ivoire. Un rayonnement maintenant surgit sur cette nation qui est la seconde patrie du Christ. Alléluia. Bien-aimé, continue de déclarer, quel que soit le domaine de ta vie, toi qui fais des affaires, pendant que le coronavirus a bloqué toutes les affaires, a bloqué toutes les activités, je prophétise en ce soir qu'il n'y a point de limite pour toi, que tes affaires prospèrent de jour en jour, que tu vas plus haut que tout ce que même tu as prévu, que là où tu désires arriver, que le Seigneur aille au-delà de ce que tu vois. Alléluia. Je vois dans mon esprit des frères et sœurs qui ont leur activité effectivement bloquée. En ce soir, bien-aimé, fléchis genoux, crie à ton Dieu en ce début de mois. Possède maintenant tes affaires. Déclare que rien ne t'arrête. Déclare que tu vas maintenant de l'avant. Déclare que tu décolles comme l'aigle, que tu vas plus haut, plus haut, plus haut, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous ceux qui ont des enfants difficiles, en cette fin d'année, en ce mois de novembre, déclare un changement radical maintenant de leur pensée, de leur cœur, qu'ils soient orientés totalement vers Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que là où ton enfant met des difficultés, je prophétise maintenant qu'il relâche au nom de Jésus, que toute forme de difficulté, toute forme de dispute qui s'élève entre toi et ton enfant est brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce soir, je prophétise la réconciliation entre père et fils, entre mère et fille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, ainsi prend fin notre temps de prière. Vaillant guerrier, vaillante guerrière, enfant Achia, peuple de Dieu, éveillé en cette heure. Avant de nous coucher, nous allons demander la bénédiction spéciale de Dieu, de la Sainte Vierge, de Saint Joseph, de notre ange gardien et de notre saint patron. Alors nous allons prier ensemble et vous répétez après moi. Mon Dieu, je te prie de me donner ta sainte bénédiction et la grâce de ne jamais t'offenser. Sainte Marie, je te prie de me donner ta sainte bénédiction. Saint Joseph, mon ange gardien, mon saint patron, donnez-moi votre sainte bénédiction. Assistez-moi par votre intercession pendant toute cette nuit. Mes saints patrons et patronnes, le saint patron de ma ville, le saint patron de mon pays, tous les saints de la commission de notre Père, Abba Achia Pakomari, je vous prie de me donner votre sainte bénédiction, de m'accorder la grâce, de la patience et de préserver notre vie de tout malheur. Vous tous les saints et saintes du paradis, demandez au Seigneur de me donner la grâce de bien vivre et de ne point mourir prématurément. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté et du Saint-Esprit qui m'a illuminé. Alléluia. Pendant cette nuit, Dieu me garde du feu, de l'eau, de la mort subite, du coronavirus. Dieu garde pendant cette nuit la Côte d'Ivoire de toute attaque de l'ennemi et de tout péril. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu vas prendre ton eau bénite et tu vas répéter après moi. Mon Dieu, par cette eau bénite et par le sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils, fais-moi miséricorde et garde-moi de tout mal et de toute mort subite. Saint Matthieu, Saint Marc,
Saint Luc, Saint Jean, vous les quatre évangélistes, par ce signe de croix, avec cette eau bénite, je vous invite à vous poster dans les quatre coins de mon lit. Tu te trouves dans ta chambre, tu vas signer les quatre coins de ton lit avec l'eau bénite. J'invite les quatre évangélistes à se poster dans les quatre coins de mon lit. Fais de même dans la chambre de tes enfants. Pour me défendre contre tous mes ennemis, contre les femmes et maris de nuit et contre le diable. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Mon bien-aimé Jésus, je te recommande mon esprit et je te le remets entre tes mains, comme tu as remis ton esprit à ton Père sur la croix. Alléluia. Bien-aimé, ainsi prend fin notre temps de prière. Je vous souhaite une excellente nuit dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas, je vous donne rendez-vous le samedi prochain pour un autre temps béni, glorieux. Que Dieu nous garde. Na eklesia ngai katia lo sambo na yokinde kwazala ki komponde la yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu éternel des armées, tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé. Mes larmes ont trop coulé, papa. Viens me sauver. Pauvre cri, tu entends sa prière. Je t'en supplie, ô papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh, qui peut m'aider? Papa, papa.